Le village de Salfit se trouve à 40 km au nord de Jérusalem. Ici, les habitants vivent de la terre. Ils cultivent la vigne et produisent des figues et des olives. Tout à coup, il y a 3 ans, les paysans se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus se rendre dans leurs champs. À mon âge, je ne peux plus apprendre un nouveau métier. La seule chose que je sais faire pour gagner ma vie, c'est l'agriculture. Mais maintenant, c'est comme si je suis un étranger chez moi. Je ne peux plus aller dans mes champs. C'est humiliant d'être bloqué derrière le portail. C'est comme l'apartheid en Afrique du Sud. Surtout quand on a hérité ces terres de nos parents et de nos grands-parents. On les cultivait déjà quand on était gosse, quand on n'avait même pas 10 ans. Ils devaient ouvrir la porte il y a environ 1 heure. J'espère que l'armée pourra trouver la clé. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle pagaille aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois. Parfois, les paysans doivent attendre 2, 3 ou 4 heures. En l'état actuel, la barrière de Cisjordanie est illégale lorsque son tracé ne suit pas la ligne verte établie en 1949 et qu'elle est construite sur le territoire palestinien. C'est leur terre. Ils doivent avoir le droit de s'y rendre. Il n'y a aucune raison de les empêcher de les cultiver. Cette attente de plusieurs heures devant un portail, ça crée un énorme impact psychologique sur les populations. Ça n'amuse personne de voir des paysans bloqués derrière la barrière. Personne n'aime voir des oliviers mourir. Mais bon, nous tâchons de lutter contre le terrorisme de manière psychologique. Peut-être. Et s'il n'y avait pas de terrorisme, il n'y aurait pas de barrière. Voilà la vérité. À cause de ces problèmes, on a énormément de retard. Et les champs ont besoin d'être entretenus régulièrement. Je n'ai pas reçu un seul centime de dédommagement. Et pourtant, j'ai perdu le plus important. Ils m'ont déraciné 52 oliviers, 30 pommiers et 15 pieds de vigne. À 60 km de Salfit, au cœur de la Cisjordanie, se situe la vieille ville de Hébron. Autrefois, les marchés grouillaient d'activité. Les gens ont trop peur de venir au marché. Quand ils voient l'armée aux alentours, ils se disent qu'ils auront des problèmes. Alors ils préfèrent ne pas venir. C'est pour ça que le marché est vide. Et les gens viennent encore moins à cause des attaques des colons, qui sont terrorisés. Avant l'intifada, c'était tellement bondé que tu pouvais à peine te frayer un chemin ici. Et maintenant, c'est vide. C'est la prière de l'après-midi et il n'y a personne dans le coin. Les forces israéliennes doivent assurer
Les forces armées israéliennes doivent faire régner la loi et l'ordre. Mais pour cela, elles doivent faire en sorte que les contraintes imposées à la population n'empêchent pas une vie relativement normale pour les Palestiniens, la population occupée. Le bouclage de Hébron a eu des conséquences tragiques pour Nidal et sa famille. Lorsque sa femme a dû accoucher, l'ambulance a été arrêtée à un barrage. Le bébé est mort et j'ai commencé à saigner. Ils ont essayé de le réanimer car ils croyaient qu'il était encore en vie. Au bout de 9 mois de grossesse, j'étais épuisée. Le bébé est né, puis est mort sous mes yeux. C'est très dur pour une mère. Vous voyez ici, c'est chez moi, mais là, il y a une implantation israélienne. Et là, c'est l'armée. Et là-bas, encore une implantation. Je suis complètement entouré par des colons et par l'armée. L'armée est là-bas au fond et je ne peux évidemment pas y aller. Ma maison est complètement assiégée.